En Malaisie, elle fait du foot freestyle avec un voilé islamique. Une étudiante de 18 ans fan de football freestyle, quelle partie qu'avec son voile islamique fait sensation en Malaisie, pays d'Asie du Sud-Est à majorité musulmane, où le sport est largement dominé par la gent masculine. Jonglant avec un ballon toujours en l'air, Khuironiza Ndang Wayudi pratique cette discipline libre mêlant acrobatie, jonglerie et gymnastique dans un parc à Klang, ville située à une quarantaine de km au sud-est de la capitale Kuala Lumpur. Le voile n'est pas un obstacle. C'est normal, c'est juste la façon de faire qui compte, raconte à l'AFP la jeune femme. Nombre de femmes portent le hijab et des vêtements amples conformément aux exigences de l'islam en Malaisie, pays de 32 millions d'habitants, dont plus de 60% sont de confession musulmane. Khuironiza Ndang Wayudi, 18 ans, fait une figure de football freestyle, dans un parc à Klang, près de Kuala Lumpur le 11 juillet 2018. Copyright AFP, MOHDRASFAN. L'islam n'empêche pas de faire du sport, souligne Khuironiza, qui a fait ses débuts en foot freestyle en 2016, après avoir visionné des vidéos sur YouTube. Avec le freestyle, on est libre tant qu'on ne montre pas son corps, dit-elle. Le football est l'un des sports les plus populaires en Malaisie, malgré la médiocrité de l'équipe nationale qui pointe à la 171e place du classement mondial de la FIFA. Des amateurs de ballon rond à travers tout le pays regardent des matchs de la Coupe du Monde en Russie, même après minuit, en raison du décalage horaire. Khuironiza Ndang Wayudi, 18 ans, fait une figure de football freestyle, dans un parc à Klang, près de Kuala Lumpur le 11 juillet 2018. Copyright AFP, MOHDRASFAN. Le freestyle en Malaisie est pratiqué essentiellement par des hommes, mais les filles s'y intéressent de plus en plus, observe Khuironiza. Elle s'entraîne 4 à 5 fois par semaine en faisant des acrobaties avec un ballon pendant jusqu'à 3 heures à chaque fois. Sa pratique du freestyle connaît une audience croissante, elle est suivie par plus de 72 000 personnes sur Instagram. Être une femme n'est pas un obstacle, on peut être active en sport, dit-elle. Son rêve, rencontrer un jour son idole, Lisa Zimouche, star française de football freestyle. Tout droit de reproduction et de représentation réservé, copyright 2018, Agence France Presse.